Albert remue dans son sommeil. Lui qui rêvait du paradis. Soudain, fracas, on ouvre sa porte. On ouvre sa porte à la volée. Et on l'arrache à coups de sabot. La paille puante de son cachot. On le rudoie, on le maltraite et on rigole de ses cris. Dehors, l'aube l'éblouit. Il y a comme une odeur de rouge. Il y a comme une odeur de rouge. Il y a comme une odeur. Et c'est l'horreur quand Albert voit son frère Léon lié sur un banc. Éviscéré, la tête en bas, rougi et tout dégoulinant. Albert crie à plein poumon. Albert se débat, il y a comme une odeur de rouge, il y a comme une odeur de rouge, il y a comme une odeur. Dimitri, le patron du tabac, Abdel le berbère sanguinaire, et Georges le plus sadique des trois, le quincaillier de la rue Prospère. On couche Albert sur un grabat, Abdel brandit son couteau, un arc de cercle et un bruit mat, une douleur lui troue la peau. Dimitri perd son sang-froid. La brume dans le cerveau d'Albert. La vie le fuit, goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. D'abord, il eut son clonage en Belgique. Les œstrogènes, les antibiotiques. Puis on le tira de sa fabrique pour l'amener chez le père Mathieu, pour le vendre comme un cochon de grain. C'est sûr, il se vendra beaucoup mieux. Oh, Albert ne mourra pas du prion, de la peste porcine, de tous ces trucs infectieux qui s'agglutinent dans son corps. Et c'est dans une ultime poussée de stress que ces jambons transgéniques s'inondent d'acide lactique. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.